amigos. Aujourd'hui, vendredi, dans C'est pas le 20h, je vous préviens, ça va voyager. Aïe, aïe, aïe. Train de banlieue, direction Mantes-la-Jolie, avec une association qui a un groupe de théâtre de jeunes, de gamins de 10 ans. Embarquement immédiat à Roissy avec le tout bip de l'aéroport de Roissy. À pied, on fera de l'athlétisme avec Thierry Ray et Yannick Noah. Et enfin, ah, quel salaud! Et on part très loin, sous les tropiques, à Cuba, rencontrer les futurs salsa. Et enfin, n'oublie pas nos rendez-vous quotidiens, l'hôtel de la plage. Le reality show de l'été. Et enfin, Daniel Prévost, notre grand danseur à nous, pour ses Prévost rien. Mais tout de suite, zapping, préparé par Patrick Monet. Ta mère en tongs, c'est ta mère en tongs. Mais c'est aussi le nom d'une troupe de gamins de 10 ans des quartiers de Mantes-la-Jolie. Ta mère en tongs. Ils s'éclatent en jouant Alibaba sur les planches. Ils n'ont pas 12 ans et déjà, ils étaient comme des pros. Y a pas à dire, les mille et une nuits version grande banlieue, ça vous colle la pêche. David André, notre reporter, est en string sur le parking du Mammouth. On est revenu bluffé. Ta mère en tongs, tel est le nom de la troupe. Ils viennent de ce qu'on appelle les quartiers difficiles de Mantes-la-Jolie en banlieue parisienne. Ils ont entre 6 et 12 ans. Ils jouent ce soir Ali Baba et les chefs du rail. Dans toute cette pièce de théâtre, c'est pour dire que la ville de Mantes-la-Jolie, ben, y a des petits qui s'amusent très bien, tu vois. Moi, je suis amoureux d'un garçon, il s'appelle Ali Baba. Moi, je suis le roi. J'aime pas le rail. Et puis, j'ai envie d'emprisonner les chefs du rail. Et moi, j'aime bien le rail, mais mon père, il veut pas que je me marie avec un chef du rail. Ça fait trop de bruit dans le quartier. Et ça, je crois, ça dérange tous les habitants. Le sultan, il est toujours énervé. Ah ! Je sais pas qu'elle est belle. Qu'est-ce que tu en sais qu'elle est belle ? Elle est pas électrique. La lumière de sa beauté transverse son voile et mon cœur qui chevaille. Il y a l'histoire d'amour, mais les comédiens de Ta mère en tongs racontent aussi les plaisirs interdits dans un pays où les chanteurs de rail craignent pour leur vie et où les femmes sont maltraitées. Le thème, c'est les mille et une nuits, le conte traditionnel, Ali Baba et les 40 voleurs, sauf qu'il y a l'actualité qui est greffée. L'événement, donc c'est l'Algérie, le rail qui est interdit, enfin... un peu d'allusion à la mort de Cheb Hasni, qui s'est fait assassiner parce qu'il était chanteur de rail, mais c'est pas le... ça reste comme un conte. Du théâtre à mon école, mes copains et mon courage, et c'est très dur de faire ça aussi. J'ai eu un petit peu le trac, mais après j'ai réussi. Par exemple, si je me trompe dans mon texte, ben c'est pas grave, du moment qu'on continue à avoir l'énergie à jouer. Angina, sur la vie de ma tête. C'est pas cher. Ralette, ils t'écoutent même plus. Ils comprennent rien à cause de purée. L'association Ta mère en tongs a 6 ans d'existence et plusieurs spectacles à son actif. Pour des dizaines de mômes des banlieues, souvent en difficulté scolaire, les week-ends sont désormais studieux, consacrés aux répétitions. La baisse ! La rue est nettoyée ! On s'est bien marré ! Alhamdoulilah ! Si vous les croisez en tournée, cet été, quelque part en France, ils seront fiers de vous apprendre leur hymne enregistré par le groupe Ludwig von 88, Ta mère en tongs, ton père en short, etc., etc.